Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max, la chaîne du Japap et du Bérin. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Aïe, 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 la famille, il est quelle heure ici? 21h37. Ouais, c'est vrai. Aïe, demain le travail encore. Aïe, la famille. Aïe, c'est pour parler d'un sujet que les gens ont soulevé. Hein, la famille? Oui, Antala. Beaucoup de gens disent, vous avez vu le rôle d'Antala sur là-bas, sur la vente privée de Kimi Makoso, le soutien qu'il apporte à Kimi, qu'il a apporté à Kimi et tout. Bon, il est toujours là, hein, toujours là. Et Kimi aussi est là pour le soutenir, surtout, vous vous souvenez de la période où sa mère était malade à l'hôpital. Kimi l'a beaucoup aidé. Hein? Ouais. Mais alors, il y a quelque chose. Les gens me posent la question, pourquoi tous ces gens-là, Khalil, Myriam, tous ces gens-là vont aller à Paris, au casino, hein? Assister à Axel, participer au show et tout, enjoy, voyager pour la première fois. Et Antala est où? Pourquoi on ne fait pas voyager Antala? Axel est où pour aider Antala? Vous vous souvenez, Axel avait d'abord programmé un showcase à Paris. Oui, après il a annulé comme ça, dernière minute à cause de manque d'organisation et tout ça. Il avait promis, là-bas il avait promis d'aider Antala à faire ses documents pour voyager. Bon, mais pour finir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que vous savez que ce processus-là de visa et tout ça, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile, c'est pas un truc. Hmm? Mais il avait promis de l'aider, je me rappelle, pour le déplacement et tout, et tout, et tout. Vous comprenez un peu. Mais cette fois-ci, Axel n'a rien dit. Donc les gens disent que, mais c'est comment? Antala, c'est comment? Il est où? Oh, pourquoi on ne l'amène pas? Vous savez pourquoi Axel ne peut plus accéder à l'aider et tout ça? C'est parce que, vous vous souvenez, quand Axel postulait pour Kimi, durant sa relation avec Kimi, Antala était tué là comme le rival. Il se prenait comme le rival d'Axel, oui. C'est Lolo Beauté qui l'encourageait et le montait. Donc, on voit que l'idée de Lolo Beauté était là depuis, hein. C'était là. Ou bien, c'était, vous laissez-moi mettre le show où elle avait les mauvaises intentions réellement. C'était là depuis. Elle montait Antala, elle encourageait Antala. C'est elle qui encourageait même à faire la chanson, hein. Vous comprenez un peu. Donc, il était comme peut-être comme un rival à l'autre, à Axel Méry. Et Axel Méry n'aimait pas ça. Parce que quand il entrait tu dans un live, il mettait tu Axel mal à l'aise avec ses questions, ses trucs. Il y a plusieurs captures des lives que Axel est même parti du live à cause de l'intervention d'Antala. Donc, il mettait tellement Antala, Axel mal à l'aise. Mais jusqu'à là, Axel considérait ce petit comme son petit. Raison pour laquelle vous avez vu la période où il a eu le problème avec Aya Robert. Oui. Axel est sorti toujours pour le soutenir et tout, oui. Et Axel l'aide, a continué à l'aider, même ses déplacements, pour ses déplacements dans l'Afrique. Axel continue à l'aider. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est quand Axel est parti, Antala est parti s'unir avec un autre Gabonais là, c'est Chambre à louer, oui, pour venir jouer un match contre Axel Méril et prendre les wins d'Axel. Axel avait peut-être 33 ou 34 wins le temps là. Ils sont venus, sont unis, sont venus prendre les wins d'Axel. Pourtant, Axel, il manquait combien là pour qu'il soit, il devait poser pour le numéro 1 et tout, et tout, et tout. Axel a pris ça sportivement, mais Chambre à louer a commencé à se moquer d'Axel. Que quoi, oh toi, un Béninois, tu crois que tu vas venir, tu peux jouer avec un Gabonais, oh c'est monté, descendu. Ouais, ouais, vous comprenez un peu. Axel, lui, il est resté tranquille, cool. Mais je suis que l'affaire avait touché Axel. Ça a marqué Axel, oui. Les internautes sont alors en train de commencer à s'acharner sur Antala. Que c'est un traître, wow, wow, wow. Antala commençait à sortir maintenant pour essayer de s'expliquer. Ah, mais c'est un jeu. C'est quoi, hein, machin, vous comprenez un peu. Voilà.
Il faut souligner qu'en fait, ce n'était même pas le jeu d'Antala, c'était le jeu de chambre à l'eau. Et Antala est venu le soutenir avec ses donateurs. Antala est venu soutenir chambre à l'eau pour gagner Arcel, son grand frère Arcel, enlever ses wins. L'affaire là, Arcel n'avait pas digéré l'affaire là. C'est moi qui vous dis, depuis le jour là, c'est là où moi j'ai senti qu'il a commencé à enlever son cœur sur le petit là. Oui, il n'avait pas digéré ça. Moi-même, je n'avais pas digéré ça. Je vous jure, moi-même, je n'avais pas digéré. Et si j'étais à la place d'Arsène, je n'allais pas aussi digérer. Ouais, je n'avais pas digéré. C'est, pour moi, c'était un geste comme, je ne sais pas. C'était comme de trahison. Vous comprenez un peu, non? Et les internautes ont compris ça comme ça. On dit que c'est un jeu, mais il y a les enjeux dans les matchs TikTok là. Ce sont les enjeux. Il y avait le top 1. Il postulait déjà pour aller prendre le top 1, Arcel, oui. On enlève tes wins. 34, c'est 33 ou 34 wins. Comme ça, là. Avec l'aide de ton petit que tu soutiens, il peut aider contre. Vous comprenez un peu. À partir du moment là, Arcel a dit, oh, oh, oh. C'est à partir du moment qu'il a vu qu'il a commencé à se distancer du petit Antala. Vous comprenez un peu. Donc lui-même. Lui-même, c'est le chemin qui s'est forgé. Donc là, maintenant, les gens disent qu'il est là maintenant comme si. Ils disent que, bon, il est là maintenant comme un arrêt de poisson dans le cou de Kimi. Que Kimi n'arrive pas à se débarrasser de lui. Et il est en train de forcer. Ah, moi, je crois. Vous êtes sûr qu'il est en train de forcer? Parce que, moi, je me dis que Kimi, elle a franchement besoin de gens comme ça, hein, autour d'elle. Même comme elle sait. Qui ne s'entend pas avec Arcel, qui n'a plus l'entente là. Ils vont être là, fait, oh, ils vont dire, oh, c'est comme Arsou, mais ce n'est plus comme avant. Oui. Donc, venez me donner vos avis en commentaire. Est-ce que Antala est un arrêt d'os dans le cou de Kimi? Venez donner vos avis en commentaire. Ouais. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la famille. Hein? Bisous et à sa pronto et surtout, ne mettez pas les organes.